Préparatif a fait pour installation conseil présidentiel de transition et dans le moment on a parlé là d'après sa correspondant nous n'importe quoi nous connaissons à aller venir qu'a fait dans villa d'accueil gain réunion qu'a fait gain tractation qu'a fait toujours dans cadre préparatif pour installation conseil sécurité et conseil présidentiel transition et qu'on a nous établi contact avec collaborateur nous Valério Saint-Louis qui était suivi pour nous c'est ça qui était déroulé dans conseil sécurité Nations Unies sous situation Haïti Valério. Justement, Jacqueline, nous avons suivi de très près, hier lundi 22 avril, la 9613e séance Conseil de sécurité des Nations Unies, qui t'a réuni une autre fois encore sous question qui concernait Haïti. Chef MINUA, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, qui t'a participé à travers téléconférence par vidéo depuis Port-au-Prince, t'a dit Conseil de sécurité que dans le commencement du mois de mars, la gang a augmenté des attaques coordonnées qui t'a visé infrastructure l'État, qui gagne la donne plusieurs commissariats à la police, avec deux dans la prison principale qui n'a Port-au-Prince. Ensemble avec l'établissement scolaire, l'hôpital, clinique et plusieurs sites religieux. Il est dit tout que la semaine passée a été attaqué et a pillé l'école médicale Université d'État d'Haïti. Il était continué pour dire que gang yo toujours a lancé des attaques contre palais présidentiel là, ça qui la cause confrontation féroce avec la police d'Haïti, ensemble avec Force Lamea, qui fait plusieurs victimes. Et depuis 3 mars, confrontation à gang aux alentours aéroport international là, dans Port-au-Prince, et bien t'es forcé compagnie avion commercial, yo campé service yo, une situation qui continue jour que journée jeudi. Il a annoncé tout que vol aérien yo t'a qu'à reprendre mois prochain. Il te baille un rapport détaillé sur l'impact de violence gang yo sur population, timounio ak fam yo. Il te dit que gen plus passé 6 mois depuis que le Conseil de sécurité a été autorisé déploiement force MSS là, Nations Unies doit continuer insister sur l'importance déploiement en urgence de force ça en Haïti. Deuxième intervenant par vidéo téléconférence devant Conseil de sécurité de l'ONU, c'était directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime. ONUDC, Madame Gwada Wali, qui lui-même te baille un rapport détaillé sous façon que les armes à feu et munitions continuent à vider entrer dans le pays d'Haïti, selon une dernière enquête criminelle qui était faite ici aux États-Unis, côté que yo arrivé joindre quelques détails importants sous façon que les armes à entrer dans le pays. Madame Gwada Wali, te dit Conseil de sécurité de l'ONU, d'après information au département de justice États-Unis, te publié, un ancien leader gang 400 Maozo, qui relait Jolie Germine, te dirigé opération trafic Zamio à partir de cellule dans prison. L'elle servit avec téléphone mobile pour faire appel à partir de prison sans surveillance. Yo découvrit que ancien leader gang 400 Maozo, Germine, te bail instruction sous façon pour faire transfert l'argent by associé criminel yo dans l'État Floride, avec explication claire sous qualité ZAM que le demandé pour te acheter. Et puis il te continue à associer les détails sur le magasin côté pour acheter des armes. À distance, à remote control, depuis prison, il a commandé des armes à feu qui dégagent la donne gros armes automatiques, gros calibre. Les armes étaient passées par contrebande rivière en Haïti par drôme à récipient qui étaient camouflés comme si c'était mangé à attique fourniture pour caille. Après ça, c'était tout par directrice exécutive UNICEF, là, Mme Catherine Roussel, qui lui-même te dit Conseil de sécurité de l'ONU que famille continue à déplacer, quitter la caillou à cause de la violence gagne. Il était estimé que plus passé 180 000 timoun parmi famille Sayo a continué à déplacer. La fois qu'on est que plusieurs représentants pays membres Conseil de sécurité a pris la parole. Ils ont détaillé position sous situation pays d'Haïti. En majorité, presque tout pays Sayo, tout représentant pays Sayo dit que l'important pour déployer en urgence force MSS là en Haïti. Bon, côté parle ambassadeur Haïti, Antonio Rodrigue, dans tout ça que le t'a dit dans la réunion Conseil sécurité, nous retenons pour vous que le t'a pesé sur net d'alarme pour avertir la communauté internationale là, que il y a nécessité pour renforcer significativement et fort pour assurer respect à vos amis d'après résolution 2700. Une façon pour empêcher bandits de joindre plus d'âmes toujours. Et pour finir, c'était tout par ministre Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Avares Gil, qui t'a dit lui-même tout que il y a un besoin urgent pour appliquer embargo ça, embargo sous armes, munitions, qui ont même à entrer en Haïti. C'est comme ça, c'est en gros ça que nous avons retenu pour vous dans la réunion ça, qui t'a déroulé hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis Manhattan, New York. Jacqueline? Merci Valério Saint-Louis et Konya n'a pas arrêté toujours dans New York avec pour deuxième jour procès ancien président républicain Donald Trump et Jean-Aubert suivre pour nous et dossier ça Jean-Aubert Philippe est déjà et ancien président ou bien accusé a il déjà gagné une amende pour le payer parce que il a semblé que il viole les principes avec la loi dis-nous plus. Effectivement, la clin, et alors, il y a quelques bails qui passent entre temps, il y a entre temps juré, en fait, tribunal là, pour même juré à la caillou pour jeudi, donc il y a pour retourner encore dans le tribunal là.
et jeudi qui a venu là encore pour continuer avec postal observable à la troisième journée. Et l'autre bail qui passe là, c'est que c'est responsable magazine et Inquiry National là, lui-même qui, M. Perker, lui-même qui était gagné pour le témoin pour une deuxième journée. Et lui-même, il dit que job lui, il était cherché pour le bloquer tout texte ou bien tout article que on t'a vu vendre dans le journal là qui t'a défavorable à candidat parti républicain à l'époque là n'a pas eu de Donald Trump. Donc job c'était pour faire ça parce que Donald Trump c'est un ancien ami. Donc il pas pour te faire ça. Concernant amende que avocat gouvernement mandé pour mandé juge là pour le faire et ancien président payé parce que il violait et règlement sous avocat qui était mandé pour pas parler pour pas critiquer personne monde qui pourrait dans le procès, eh bien, le juge là, il dit qu'il peut prendre une décision pour ça qui concerne ça, mais son dossier encore que l'a retourné sous lui, mais il a un gros bouche l'ouvrir avec avocat qui défend l'ancien président, après que le président dit lui-même les considérer, décision juge là pour empêcher le parler, c'est une violation à droit constitutionnel. Christopher Conroy, un avocat qui défend le gouvernement dans le tribunal Manhattan à New York, m'a dit juge Wang Merchant qui a supervisé le jugement ancien président Donald Trump pour faire payer une amende de $10,000 pour être violé l'ordre pour ne pas critiquer publiquement témoin avec l'autre monde qui est impliqué dans le procès tant qu'actrice film pornographique Stormy Daniels avec ancien avocat président Michael Cohen. Deux témoins qui sont capables de témoigner dans le jugement historique là. Avocat dit ancien président doit payer conséquences à cause de désobéir l'ordre là volontairement avec toute connaissance. Avocat a demandé au juge là pour rappeler ancien président qu'il est capable de faire face merci avec conséquences plus graves s'il continue à violer l'ordre babouquette là. La loi permet au juge là d'envoyer ancien président Trump en prison pour 30 jours maximum, ça qui est capable de tourner dans le premier jugement criminel historique qui fait contre un ancien président américain. Ancien président a déclaré, décision juge là, c'est une violation droit constitutionnel, liberté, la parole de gagner. It's a big day in Pennsylvania. People get out there to vote. It's important to vote to let them know that Donald Trump, qui prend la parole devant un groupe journaliste avant d'y rentrer dans le tribunal là, Bonnem a dit 23 avril là, tu as parlé plutôt des élections primaires qui ont déroulé dans l'État de Pennsylvanie. L'elle déclaré, moi espérer nous prendre sortir pour nous à voter. L'important pour nous voter, pour nous faire connaître que nous présent 5 novembre, nous paraît sous yo en forme. Je dis à ces élections primaires. Il est toujours important pour nous voter en faveur bon monde qui est candidat pour poste sénateur, qui est bon pour le pays. Ça a passé dans une série d'universités, je dis à c'est une honte. Dans l'occasion première journée procès, avocat gouvernement accusé ancien président, il dit qu'il violait la loi et puis trompé électeur dans l'élection présidentielle 2016. L'LTE s'est caché relation sexuelle qu'il était gagné avec actrice film pornographique Stormy Daniels et modèle Playboy Karen McDougal. Avocat ancien président déclaré par juria client liant pas commettre aucun crime et pas gain rien qui doit n'en chercher influencer résultat une élection et yo elle ça démocratie. Avocat gouvernement déclaré ancien président a utilisé avocat personnel li Michael Owens pour le faire paiement passer comme service légal alors que en réalité l'agent c'était pour rembourser avocat l'agent était déjà payé Stormy Daniels non ancien président. Il va dire coupable pas empêcher l'occuper fonction président s'il remportait la victoire face à candidat parti démocrate là Joe Biden. Mais sera capable d'affecter candidature d'après résultat sondage agence nouvelle Reuters Ipsos fait qui montrait moitié électeurs indépendants yo et yon sous chaque 4 républicains déclarés yo pas voté en faveur Trump si la justice condamné pour un crime. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer l'actualité à connaître maintenant nous dans le pays d'Haïti. Tant qu'on dédie le commencement programme, nous avons allé venir qu'a fait dans la villa d'accueil, dans le moment que grand pile préparatif qu'a fait pour installation conseil présidentiel de transition. Nous allons rejoindre Yves Manuel, depuis Port-au-Prince.
Conseil présidentiel là, à travers délégué Leslie Voltaire, visité lundi 22 avril là, local Palais National, dans l'idée pour faire lui une idée de situation. Visite ça qui réalisé sous gros bataille entre bandits Améo et force l'audio dans entourage Palais National, pas permettre membre conseil présidentiel yo fixer un droit ni date installation conseiller présidentiel yo. Selon yo nan conseiller présidentiel yo, c'est jeudi mardi conseil a décidé sous date ak un droit installation. Nous apprenons tout gen plusieurs conseillers présidentiels qui proposaient pour réaliser cérémonie installation dans un autre lieu que Palais National. Position ça, yo tout pas meté d'accord parce que majorité conseiller présidentiel yo kembe Palais National pour installation en fait selon yon source qui proche négociation yo. N'a souligné après visite qui réalisé dans Palais National là, Leslie Voltaire bay yon compte rendu sur situation à collègue yo qui dans conseil présidentiel. Pendant visite ça, conseiller présidentiel là était accompagné de ancien colonel Imler Rebu qui a dirigé sous commission sécurité pour installation membre CPO. N'a pas rappelé que membre conseil présidentiel transition déjà s'est parlé semaine qui s'est passée là dans primati avec premier ministre AIA Michel Patrick Boisvert et puis directeur général police nationale d'Haïti France LB. Pendant rencontre ça, directeur général police nationale d'Haïti té bay garanti que toute disposition pral prend pour faciliter bon déroulement événement. Malgré pour qu'on gagne aucune date qui fixée pour installation en fait, Koudzam pas suspend chanter dans parage Palais National entre bandio et force radio, ça qui laissait planer un pile doute sur installation dans Palais National. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et d'après information qui vient de nous, et formule conseil présidentiel de transition continue visiter diviser société à côté que gagne monde qui gagne position dépamment. Par exemple, gagné et ancien député Ulrich Cessy qui mandait pour installation en fait pressé. Nous gagne sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Par rapport à problèmes politiques, économiques et sociaux, notamment phénomène insécurité, grand goût et chômage cap rongé société haïtienne là, ancien député Ulrich Cessy qui c'est président coalition politique mouvement patriotique pour la vie Mopal mandé 9 membres conseil présidentiel transition yo dégager yo comme mettre Jean-Jacques pour prêter serment à installer tête yo dans Palais National ça même pour yo capable adresser problème ça yo. Nous croyons que faut monsieur Damio aller plus vite parce que il est temps pour que yo retire et peuple haïtien en suspense ça. Donc faut faire tout ça capable pour au moins yo commencer rentrer dans travail pour montrer à partir de première action que yo pral poser pour montrer peuple haïtien que yo décidé tout bon vrai accompagner yo décidé tout bon vrai résoudre les problèmes sécurité qui gagne dans pays insécurité qui gagne dans pays a pour résoudre pour commencer créer une situation d'apaisement pour population parce que moun qui quitte caillou pour permettre de retourner la caillou parce que gagne de moun qui fait des années à construire un petit caillou pour rester à madame yo petit yo et puis un bonjour et puis gang mettez dehors monsieur député Cécile encourager collège présidentiel là pour choisir moun qui honnête et crédible dans le cadre de formation nouveau gouvernement qui a remplacé l'équipe gouvernementale Ariel Henry pendant écarter toute possibilité de séparage gâteau. Faut que CPA pas rentrer dans des mal de partage de gâteau. C'est si l'entrée dans ça, ça a explosé dans mail parce que véritablement 18 ministères pas capables de distribuer, pas y a assez de ministère et de direction générale pour distribuer à chaque grand monde. Donc c'est monde qui c'est des monde qui compétent. C'est des monde qui montrer plus ou moins au niveau de patriotisme. C'est des monde qui et gon certaine notoriété pour valeur yo charrier derrière en dans société. À ces monde ça yo choisi pour que yo mettez dans le gouvernement. C'est un dossier que VOA Creole a sur pour vous. Ou en tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Oui, en pile, attention braquée sur Port-au-Prince qui t'a doué recevoir installation conseil présidentiel de transition dans jour Capvinla selon information qui arrive joindre nous. Nous allons parler un petit peu de immigration sous initiative Allen Sherwood, un volontaire américain, 28 haïtiens qui en pile là-dedans bénéficiaient de programmes, ça relait les programmes Biden, non, Humanitarian Parole. Eh bien, ils ont entré aux États-Unis dans le cadre d'un vol humanitaire gratis, chéri. Citoyen ça qui dépensait $40,000 américains pour faire vol ça entrer dit c'est façon pâle pour aider peuple haïtien qui dans le besoin. Luxon Saint-Ville. Jeff conduit environ 4 heures de temps pour venir à l'aéroport international Miami. Il fait 8 heures à souhait. Ces femmes viennent recevoir un pot là cap venir dans le cadre programme là. Geta atterri là, c'est dans outre la malpoint là. Après 3 étapes ton, Jeff reçoit ses frères avec famille yo cap sorti. Grand frère Joël qui c'est une bénéficiaire yo. Salut initiative là. J'ai noté dérapé à 3 heures, nous arrivé à 8 heures mais tout bagaille était bien passé. Son belle initiative, m'ta souhaité pour t'a toujours fait toucher. Qu'est content envahi Jeff. Qui pas de carton encore pour rentrer la caille avec famille. Pas carton là pour nous arriver la caille là pour nous enjoy toute famille qui t'a tenu yo. Mon cher cœur a tellement content la palpiter très fort. Qu'est content ça? Pas seulement pour Jeff. Sandra qui a 5 années depuis le pauvre frère dit vol humanité ça c'était une véritable délivrance. Pas d'espoir encore. Chaque fois que je check un vol, je pousse le vol. Tantôt du 16, tantôt du 2 mai, je suis vraiment incertain. Je me dis, ma préchance, moi quand même, et puis je ne regrette pas. François, qui est frère Sandra, dit le brave danger pour atteindre le cap pour venir prendre vol ça. C'est carrefour, nous sommes sortis. Nous sommes obligés, toutes les péripéties qu'on a, nous passer toute étape, ça, au matissant, tout ça. Nous tomber la ville, de la ville étant, carrefour, aéroport, nous connaissons un valier en Haïti, jusqu'à ce que nous prenions bus au Cap. Vous comprenez, pour nous être capables d'atterrir au Cap, nous passer dans l'autre va encore qui c'est et Mon Cabrit. Qui côté initiative avion humanitaire gratis, ça sorti? Marc Henry qui t'a lancé appel là sur réseaux sociaux. A expliquer. Son initiative que moi t'ai lancé ça a environ 8 jours que moi gon zanmim qui est Allen Sherwood qui t'est rentré à Haïti pour t'a chercher maman papa et il t'ai fait ça 3 novembre 2024 là et il t'ai promettre moi que t'ai pour t'a à Haïti et lundi passé vraiment t'ai reach out avec flight là t'ai capable prendre 28 monde et il t'ai dit Marc Henry moi capable ba jusqu'à 15 monde pour rentrer aux États-Unis qui pas bien pour payer. Allen, c'est citoyen américain ça qui t'a décidé de louer un avion privé pour aller prendre un port au Cap 28 mouni et gain visa avec autorisation dans le programme Biden. God put it on my heart. That was important. C'est bon Dieu qui mettait ça sous kem, c'est ça qui est important. Peuple ici a besoin d'aide et tout le monde doit camper pour aider, quelle que soit la nationalité, parce que nous sommes seuls sous terre. Allen, qui fait exercice ça déjà en Ukraine, dit la planifier l'autre vol sur Haïti. 11h58 na aswe. Puis faut bénéficier quitter aéroport Miami. Yo tout dit yo content rejoindre famille yo que yo pas trouvé depuis quelque temps. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville et docteur nous capable le reportage ça et ben et programme Biden continue à mettre la joie dans quelques familles et haïtienne qui dans diaspora. Quand on va parler de autisme qui c'est une forme d'handicap, c'est pas une maladie et moi avril là selon Nations Unies c'est moi côté que fait sensibilisation sur problème ça qui c'est autisme. On a loin ça plus près. Autisme premièrement c'est pas une maladie, c'est pas un bail ou cas font test sur le monde autisme. Autisme excusez-moi c'est un problème neurodéveloppemental. C'est une condition qui affecte le cerveau et qui automatiquement affecte tout le sens au gagnant. Donc, les principales caractéristiques qu'un monde qui a autisme, faut qu'il joigne, il y a un problème pour interagir avec l'autre monde, il y a plus souvent pareil qu'il retire dans le propre monde par eux, il y a un problème de communication. Ensuite, il y a des comportements répétitifs. So, c'est trois principales caractéristiques qu'un joigne qu'un monde qui est dans le spectre de l'autisme. D'accord, Madame Yveline Alexandre Dill, autisme, ce n'est pas une maladie.
et devant dimension le prend en mi-temps population, Assemblée générale Nations Unies décrétait en 2008 2 avril comme journée mondiale sensibilisation sous autisme et gain en pile organisation qui prend tout mois d'avril là pour faire sensibilisation. Autisme 509, c'est yon la dayo li gen en tête li Yveline Alexandre. Bagay yo plis passe ça n'a pas imaginé. Fok mwen di ou, nan yon article li publié 19 avril 2024, magazine chrétien rapporté, se équipe première dame Kenya ak yon groupe pasteur ki gen en Haïti ak Kenya, eh bien, ki tap parlé ensemble avec chef coalition gang Vive Ensemble. Fok mwen di ou, nan rencontre ça, c'était pour parler même ensemble avec barbecue, pour yon kapi bien comprendre ki defi kaprete tan yo sou terrain. Rencontre ça te faite pendant Rachel Ruto, madame président Kenya, te dans pays les États-Unis d'Amérique pour rencontrer plusieurs haïtiens et américains qui se dirigeant l'église entreprise ensemble avec l'armée. Malgré un pile critique l'itabay nan jou passé au compte conseil présidentiel là, souvent colonel Himmler rebu rentré dans clan conseil cette tête là. Plus passé 2250 cas moun ki mouri ak assassiné pendant premier trimestre l'année 2024 là enregistré ce bilan yon rapport bureau intégré Nations Unies en Haïti binu mette d'ailleurs ça qui baille yon augmentation de 53% par rapport à trimestre qui saute passé ya. Majorité victime yon enregistré dans capitale là d'après rapport si là qui précise chiffre ça catastrophique en pile. Affrontement entre bandi ak la police après poursuivre dans région métropolitaine Port-au-Prince journée lundi 22 avril 2024 là, eh bien en pile coup de balle te fait quelqu'un sous champ de masse dans tous les camps silayo qui t'a fait face carré, ça qui poussait citoyens abandonner champ de masse ak l'autre zone qui a vie on est lieu. Rien concret pas sorti dans réunion Conseil sécurité Nations Unies sous situation insécurité dans pays d'Haïti lundi 22 avril 2024 là, eh bien, après plusieurs aides de discussion, conseil là qui te doit décider sous financement force multinationale là, pas annoncé aucune mesure, même date déploiement force là. Pas annoncé. Population en commune à Kaye, by des jeunes garçons bois calé, lundi 22 avril 2024, là, jeunes garçons si la yo, akise comme moun kap, mitonne plan yo, ak neg exam pour envahir commune, nan, nan l'idée pour vin simé la troublaye. Policier Udmol Ouest yo annonce yo ap kampé travail, nan l'idée pour exiger 135 000 goud, gratification autorité la police yo te promette. Kek agent Udmol ki la parole dans l'occasion dénoncer partisanerie qui gagne dans unité policière côté toute unité joine l'agent sauf Udmo alors que yo toujours dans la ria à contrecarré action bandio. Yon délégation conseil présidentiel visité lundi hier donc palais national dans l'idée pour superviser périmètre sécurité côté installation, même conseil la pralé fête. Après rencontre ça, expert en sécurité qui te visite espace là, pral bay même conseil la avis yo, pour yo capable fixer date installation. Dirigeant Congrès national Wanamet, pour yo nouvelle Haïti nan tête collée ak divers lot parti politique ak organisation takou proposition citoyenne ak coalition citoyenne pour sauver Haïti apparaît pour yo al mobiliser devant local binu à travers un sitting mercredi 24 avril cap vini là. Objectif mouvement ça c'est pour al dénoncer CARICOM qui voulait imposer un conseil et 9 membres dans tête pays pendant que eh bien équipe président yo après te tonne force Kenya nèg dans secteur privé après te tonne force Kenya les oligarques corrompus yo après te tonne force Kenya peuple haïtien pour yon capable de sécurité, pour yon capable de fonctionner, pour yon capable à l'aise, tant qu'on blaise, dans le pays d'Haïti, puisque gang yon te fin créé, yon, eh bien, a bay problème sans camper pendant le dernier temps, yon là. Rappelez-vous, un jour passé, yo, madame président Kenya, Rachel, aïe, 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 la madame de la foi dans le Seigneur. Amen, oui, partagez vidéo à peu près ici. Eh bien, ça qui passait,
li te annonce gon prière yo pral fè pou soldat Kenya yo. Eh bien, prière ça, c'est une équipe pasteur dans le pays Kenya et dans le pays d'Haïti qui met ensemble pour capable prier pour soldats pour les débarquer dans le pays d'Haïti puis vider jeunes garçons à terre dans goût Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Eh bien, bagayo te plus passé ça n'a imaginé. Dans un article qui publié dans date qui était 19 avril la peuple haïtien, magazine chrétien rapporté. Tendez bien oui. Équipe première dame Kenya, est-ce qu'on entend? Équipe première dame Kenya avec un groupe pasteur Kenya avec Haïti, yo parlé ensemble avec barbecue pour yo connait comment yo a débarqué pour yo vinn tôt pour yo touyer. Ay, c'est tellement chic hein l'histoire. Force intervention dans pays d'Haïti, c'est tellement chic. Ah bon? Oui, on parle ensemble avec barbecue. Et madame nan ki parle ensemble avec barbecue, s'il vous plaît. C'est pour que li capable pi bien comprendre défi qu'après tant yo sous terrain. Ah ouais, y a nou pays monsieur, moun yo pas suspendre ton nom non. C'est pour yo ka comprendre. Est-ce que là, c'est pour yon ka comprendre défi ka prete tan yon nan pays d'Haïti. Faut yon parle ensemble avec gang nan pour gang nan expliquer ou comment la tire ou même tout pour yon expliquer. Quand nan ki sa peut pas ici tombe. Eh bien, mes chers compatriotes, madame nan ki parle ensemble avec barbecue, c'est pendant que li te aux États-Unis d'Amérique, li te gen chance rencontrer ensemble avec plusieurs Haïtiens, plusieurs Américains. Haïtien ça aussi s'il vous plaît c'est dirigeant l'église m'a rappelé l'église tout dans trafic zam ak bal dans pays d'Haïti m'a salué l'église épiscopale sous choix là et moun sa yo tout haïtien américain ça yo c'est chef entreprise ensemble avec yo te passé dans l'armée ou comprendre bagay yo si me sérieux Marie oui me sérieux c'est ça madame nan fait parle avec barbecue. OK donc mes chers compatriotes mab équipe madame président Kenya a quelques pasteur yo chita yo parler ensemble avec barbecue sous zoom barbecue connecté li met yo voye link en bali et password ID et puis pour le taper non je suis barbecue et puis cloup li rentre même j'en ouais monsieur et conseil cette tête yo le ta monte dans zoom carré comme non faut tout mettre oui intervention militaire. Eh bien, barbecue, lui-même, c'est clop, lui, voye, non, dit, oui, barbecue, puis barbecue, kembe téléphone, ni comme ça. Yes, madame. How are you? Are you okay? Yes, I'm fine. Yeah. My name? Oh, Jimmy Cherizier alas barbecue. You know barbecue? You can hear it. Yes. You're so beautiful. Hey! Nous mêlons ou papa ici? Et puis, qu'on y a là? Si m'te wè, Haïti, faut pas ici avec moi, hein? Faut pas ici. Qu'on y a là? Est-ce qu'on comprend? Ça, son tactique yon employé, oui. Ça, son tactique yon employé. Oui, on finit avec papa ici. Ah, tchè! Bon, Haïti tout bagay possible, nous kon ba elo déjà, nous kon ça. Eh bien, madame, nan, li parle ensemble avec barbecue. Are you good? Wow. I'm waiting you. Okay. Welcome. C'est barbecue qui parle ensemble avec madame Kenya. Oui, madame Kenya, madame président Kenya, c'est madame Kenya. Est-ce qu'on comprend bagaille? Hache! Eh bien, this is Haiti, ok? Papa ici. En tout cas, n'a poussé bourri que nous n'a quitté le marché, papa ici. Et c'est le sam ka di nous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, attendez non. Parlez, j'en ai oublié. Ah, qu'on y a bon, c'est belle, faut pas comme ça, sans glaire ou parler. Ou ça, y'a barbecue, qui t'a parlé comme ça, ou qu'on est.
Mais si madame Kenny a parlé. Good morning. How are you? I'm very good. I'm very good. Okay. Nice to meet you too.